Découvrez cette séance qui s'intitule Le voyage d'Ulysse en route vers la libération des dépendances. Bonjour et bienvenue sur cette méthode de solution audio. Avant de commencer, nous vous invitons à écouter une brève vidéo regroupant les quelques instructions et recommandations afin d'optimiser les effets de cet audio. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Je suis Audrey Gomez. Et moi, Johan Benoni. Nous serons vos guides durant cette séance. Prenez une inspiration profonde et expirez lentement. Commencez par accrocher votre regard sur un point que vous fixez au plafond ou que vous imaginez. Ne le quittez pas du regard. Vous allez précisément focaliser votre esprit sur deux choses. Ce point et l'absolue régularité de votre respiration. Calme et relaxé. Respirez le plus profondément possible. Voilà. Imaginez. Ressentez. Créez un petit diamant scintillant. Brillant au niveau de votre cœur. C'est précisément ici où toute transformation profonde et radicale s'active. C'est grâce à ce diamant du cœur que certaines zones d'ombre de notre être peuvent être mises en lumière. Puis, fermez les yeux. Tandis que vous continuez à inspirer et expirer lentement, vous apprenez à vous détendre. Et, pour commencer, il se peut que vous soyez plus conscient de certaines choses que vous ne l'étiez auparavant. Par exemple, des bruits dans la pièce, le son de ma voix, ou encore des pensées ou des sensations qui peuvent traverser votre esprit. Et si cela arrive, c'est très bien. Je vais compter maintenant de 10 à 1. Et ce faisant, vous verrez qu'à chaque nombre, vous serez de plus en plus détendu. Quand j'arriverai au numéro 1 et que je dirai les mots « relaxé » et « maintenant », vous rentrerez instantanément dans un profond état de relaxation totale. Et à chaque fois que je dirai « maintenant » ou bien encore « plus profondément » ou bien « complètement relaxé », vous vous détendrez immédiatement pour redoubler l'état de relaxation de votre corps en allant toujours plus profondément, automatiquement. Pendant que vous vous relaxez, je voudrais maintenant que vous deveniez conscient de vos pieds. Et que vous imaginiez les muscles de vos pieds en train de se relaxer. Et tandis que vous imaginez qu'ils se relaxent, vous constatez qu'effectivement, ils se relaxent. Imaginez. Ressentez. Créez cette relaxation. De plus en plus palpable au niveau de vos pieds. 9. Maintenant, imaginez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à vos mollets et relaxer tous les muscles de vos mollets. Ressentez chaque fibre à l'intérieur de vos mollets, un peu comme si vous pouviez percevoir l'oxygénation qui se fait à l'intérieur de votre corps. 8. Maintenant, laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'aux cuisses et relaxez vos cuisses. Et laissez vos jambes devenir très, très lourdes et relaxées, presque comme si elles s'enfonçaient dans le sable chaud sur une plage des tropiques, par exemple. Vous connaissez peut-être cette sensation, n'est-ce pas?
7. Laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'aux muscles de votre ventre et laissez-les se relâcher. Et à chaque expiration que vous faites, vous relaxez encore plus et encore plus profondément que vous n'étiez précédemment. 6. Laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à votre buste et jusqu'à votre dos et relaxez tous les muscles de votre dos, grands et petits. Laissez tous les muscles de votre dos se détendre et se relaxer complètement. Observez en vous ces sensations nouvelles qui s'accentuent de plus en plus sur ce rythme lent, sur ce rythme bienfaisant, sur un rythme reprogrammant. 5. Laissez cette sensation de relaxation remonter jusqu'à vos épaules et relaxez vos épaules, ainsi que tous les muscles qui composent vos épaules. Imaginez, ressentez, créez comme un flux, une forme de cascade qui coule de votre épaule vers votre bras, le fluidifiant agréablement. 4. Puis, les épaules. Laissez-la descendre jusqu'à vos bras, accompagnée par ce flux de relaxation intense, jusqu'à vos avant-bras, jusqu'à vos mains, même jusqu'à vos doigts. Et toutes ces parties de votre corps se relaxent et se laissent inonder d'un certain bien. 3. Maintenant, prenez conscience des muscles de votre cou, le côté gauche, le côté droit de votre cou, qui se relaxe jusqu'aux muscles même de votre mâchoire. Et votre mâchoire se détend complètement. Et en se détendant, elle se relaxe de plus en plus. 2. Laissez cette sensation de relaxation remonter et relaxez tous les muscles de votre visage. Les muscles autour de vos yeux se relaxent. Votre front et même votre cuir chevelu se relaxe, se détend. 1. Relaxez-vous maintenant. Relaxez-vous profondément. Relaxez-vous complètement. Relaxez tout votre corps. Comme si vous étiez un chamallow. Tout le monde. Un chamallow. Qui fond agréablement. Sous un soleil agréable. Et maintenant, aussi relaxé que vous ne soyez déjà, nous pouvons en effet approfondir encore plus cet état de relaxation. Dans un instant, je vous ferai ouvrir et fermer les yeux. Quand vous fermerez les yeux, ce sera pour vous le signal d'approfondir 10 fois plus cet état de relaxation. Tout ce que vous devrez faire, c'est de vouloir que cela arrive, et cela arrivera facilement. Très bien. Maintenant, ouvrez les yeux. Fermez les yeux et relaxez-vous 10 fois plus. 10 fois plus profondément. Et à chaque respiration, vous relaxez encore plus profondément que vous ne l'êtes actuellement. Dans un instant, je vous ferai à nouveau ouvrir les yeux. Et quand vous fermerez les yeux, vous vous relaxerez encore 10 fois plus. 10 fois plus profondément relaxé et détendu. Ouvrez les yeux, fermez les yeux en vous relaxant 10 fois plus. 10 fois plus profondément. Voilà. Soyez attentif à l'activation de votre diamant
qui a probablement déjà grandi. Et qui scintille de plus en plus. Il y a des fois où on souhaite rentrer dans son chez-soi. Et parfois, en arrivant devant la porte d'entrée de sa maison, on s'aperçoit que l'on a perdu ses clés. Alors que pourtant, notre maison est confortable, lumineuse et remplie de joie. Mais l'on ne parvient plus à y entrer. Quel paradoxe! Il y a parfois des solutions riches en propositions que l'on trouve au travers d'histoires. Des histoires pas comme les autres. Pas comme les autres sans que l'on sache pourquoi. Parfois l'on connaît l'histoire sans savoir quoi faire. Voici donc une histoire, pourquoi pas, permettant de prendre de la hauteur devant certaines choses et ainsi de se délester de poids qui semblait juste avant accroché à nous. Je vous propose de suivre le chemin d'Ulysse et son histoire afin de vous en faire votre propre idée. Il était une fois. Une histoire pas si différente de toutes les autres finalement. Pourquoi pas donc ? Une histoire unique. Comme celle de chacun. Inspirée d'imagination réelle. Pour une concrétisation bien réelle. Œuvrons dans l'imaginaire. Cette autre forme de réalité. Non loin d'une réalité proche de la nôtre, aux abords d'une magnifique forêt. Ulysse avait, lui aussi, perdu ses clés. Il partit un matin et prit un chemin qui bordait sa maison, à la recherche de son trousseau. Parfois, on a les clés sans avoir la porte. Parfois, on a la porte sans en avoir la clé. Comme si deux parties œuvraient en nous de manière différente dans un sens commun, sans aller pour autant dans le même sens. Pour aller plus vite, certainement se sentant pressé par le long temps, il se dit que passer par la forêt serait une bonne idée. Tout illuminé de sa bonne idée, il y entra. Après de longues heures de marche, qui lui semblèrent un éclair d'instant, car parfois une habitude, comme celle de marcher ou bien tout autre, s'installe sans même s'en rendre compte. Ulysse découvrit une clairière où une belle jeune femme lui sourit. Elle était incroyablement radieuse et elle se baignait dans un étang. L'eau était transparente et laissait deviner une majestueuse queue de poisson recouverte d'écailles bleu-vertes, donnant à l'eau des reflets scintillants. Elle usa de son charme et son regard séducteur pour qu'il s'asseye au bord de l'étang, et ils discutèrent là, aussi un long temps, qui sembla un éclat d'instant. Ah, quelle déesse si séduisante, pensa alors Ulysse. Je vais me ressourcer auprès d'elle quelques instants. Cela me fera alors oublier mon malheur. Elle s'appelait Circé. Auprès d'elle, tout semblait beau. Le chant des oiseaux était reposant, l'air était doux sur les joues d'Ulysse, et la voix enjôleuse de Circé l'amenait petit à petit dans un rêve sans fin. Tout n'était que douceur de vie et paix. Plusieurs longs instants passèrent. Tellement de petits grains de sable. Que l'on ne put dire combien. Parfois, sous emprise, une semaine semble une heure. Puis de retour à la lucidité, un mois semble alors une longue semaine gâchée. La distorsion temporelle semble gracieuse à un moment, mais nous ramène toujours son addition bien épicée à la fin. Un peu comme si nous étions alors dans un sablier, filant notre vie comme des grains de sable qui filent et s'effilent toujours plus vite. Le sablier d'Ulysse coulait alors, et comme à son habitude, Circé lui parlait et il sentit le temps changer. Parfois, il suffit du temps d'une seule seconde pour prendre conscience et amorcer un nouveau temps. Les oiseaux avaient cessé de chanter et s'envolaient pour ne plus revenir. Un peu comme si ils étaient chassés par l'obscurité glaciale.
L'air s'était brusquement refroidi et l'eau du lac était devenue noire et glaciale, elle aussi. Tout comme, finalement, l'ambiance du quotidien. La voix de Circé devint désagréable à ses oreilles. Son sourire, faux. Et sa beauté avait disparu pour laisser place au visage d'une vieille femme ridée et à la peau flétrie. Est-ce que la conscience ramenée à l'acte permettrait alors de rompre l'enchantement ? Et d'ainsi voir ce que l'on refuse de voir jusqu'à ce « ici et maintenant » Se pourrait-il que prendre conscience serait déjà le plus grand pas pour dominer l'emprise, voire même de totalement regagner sa liberté ? Découvrons la suite pour découvrir peut-être alors cette résilience qui se trouve en chacun de nous, tout comme ses ressources en Ulysse. C'était un peu comme si Ulysse était envoûté par Circé, sous l'emprise de ses si beaux aspects, en oublia sa vie, ses buts, ses quêtes, ainsi que ceux qu'il aimait. Mais tout cela, c'était avant. Ulysse se dit qu'il était temps pour lui de retourner dans sa maison. Il lui fallait quitter cette clairière sombre et menaçante. Circé l'empêchait de partir. Elle lui avait jeté un sort afin qu'il reste là à jamais. Elle le contrôlait. Il était prisonnier. La tristesse qu'il ressentait était infinie et son départ impossible. Et tant de fois, elle le maintenait, ivre d'illusions de plaisir, le maintenant dans une ivresse factice de joie, comme si Ulysse vivait dans un décor de cinéma, tout en étant pourtant à deux pas de son beau palais et de sa plénitude intérieure. Par un matin, il se leva et réfléchit. Il était le seul à décider ce qui était bon pour lui et à contrôler sa vie. Que voulait-il vraiment ? Se demanda-t-il. Il se rappela alors du souvenir majestueux qu'était sa vie avant l'emprise de Circé, du soleil qui illuminait chaque jour son cœur et sa vie, de ce qui comptait le plus pour lui. Il contacta alors ses ressources intérieures. Que voulait-il vraiment ? La réponse était simple. Et il le savait très bien. Il voulait être maître de lui-même, de ses choix et prendre ses décisions en pleine conscience. Un homme qui maîtrise sa propre vie. Tout commence par une prise de décision ferme. Il prit alors une décision ferme. La ferme décision de se lever, de sourire et de marcher en direction de sa maison. C'est à ce moment précis que son diamant du cœur s'activa en lui et commença une phase de transmutation intérieure, comme une mise en lumière puissante. Circé pouvait bien crier, hurler ou pleurer. Ulysse ne l'entendait plus. Personne ne choisirait plus jamais à sa place. Aucun lien ne serait assez robuste pour le maintenir dans la boucle passée de l'emprise. Aucune sirène ne chanterait assez fort pour l'arrêter ou le retenir. En prenant cette décision, et à chaque pas qu'il faisait de nouveau en accord avec son chemin, il devenait de plus en plus lui-même. C'est décidé. Tout cela devenait alors à tout jamais passé et y resterait. Sur le chemin, Ulysse se répétait pour se souvenir pour toujours. Mon passé était source d'inertie et de toxicité. Chaque jour, je me sentirais de mieux en mieux et en meilleure santé physique et émotionnel, car dès à présent, j'avance, pas à pas, et conforte chaque jour la fermeté de ma décision d'être mieux dans mon quotidien, d'être libre définitivement. Sur le chemin, Ulysse se répétait encore pour se souvenir pour toujours. Mon passé était source d'inertie et de toxicité. Chaque jour, je me sentirais de mieux en mieux et en meilleure santé physique et émotionnelle, car dès à présent, j'avance pas à pas et conforte chaque jour la fermeté de ma décision d'être mieux dans mon quotidien, d'être libre définitivement.
Le soleil illumina la route de son retour. Les oiseaux chantaient à tue-tête et la vie était simplement douce. Tout avait repris sa place, car il l'avait décidé. C'était son choix. Plus rien ne pourrait l'arrêter sur la route du bonheur. D'ailleurs, une fois arrivé devant sa porte, il se rendit compte qu'elle était ouverte. Il comprit instantanément que les clés qu'il avait si longtemps cherchées étaient cachées en lui. Il était la clé. Il était la clé de sa vie. Et alors ? Parfois. Une histoire comme toutes les autres peut avoir aussi une solution propre à soi-même. Un changement. Une évolution positive. Chaque jour, prendre un peu plus de recul. De hauteur. De maîtrise de soi. Pour dompter. Apprivoiser. Ou licencier. Les multiples circés de nos vies. Nous allons compter de 1 à 5. Et à 5, vous sortirez complètement et totalement de cet état. Au chiffre 4, le déploiement de tout cet apprentissage conscient et inconscient se fait en vous dans tous les niveaux de votre être. Au chiffre 3, il sera si profondément ancré que vous constaterez dès aujourd'hui son efficience en vous. À 2, vous serez évidemment de mieux en mieux. Et le 1 sera votre mise en action dans l'ici et maintenant. Ressentez, rayonnez ce diamant scintillant, brillant au niveau de votre cœur. Et laissez-le ouvrir. À 1, sentez la douceur parfumée d'un goût de vie nouveau qui s'offre à vous. Respirez pleinement l'air de la forêt et observez la beauté de ce soleil grandissant en vous sur le retentissement de la mélodie des oiseaux. À 2, sentez une douce et belle énergie revenir en vous. Et pour cela, bougez vos pieds, bougez vos mains, bougez tout votre corps de gauche à droite ou de droite à gauche. Étirez-vous si vous en avez le besoin. À 3, revenez complètement. Revenez totalement, revenez ressourcé, revenez amélioré, revenez en étant bien et mieux. À 4, allez, on se bouge encore, on se bouge tout le corps, on se bouge et on se sent bien. À 5, vous vous sentez prêt à apprécier davantage cette merveilleuse journée. Ouvrez votre cœur, c'est le moment de savourer le bonheur.